directly it began to rain, and it rained like all fury too. And I never see the wind blow so. It was one of these regular summer storms. It rained like all fury. Expression inventée par Mark Twain. Donc le traducteur, quand il se trouve devant cette expression, se dit, il faut que je trouve en français une expression inventée, qui sorte de la, qui ne soit pas une expression classique, qui ne soit pas un cliché. Mais ce n'est pas toujours possible. Dans le cas de « It rained like all fury », je l'ai traduit par « Il pleuvait comme vache qui pisse ». Qui, si elle n'est pas une invention verbale, puisque c'est une expression idiomatique connue, connue de tout le monde, mais elle apparaît là comme bien représentative d'un garçon de 14 ans qui ne parle pas un français parfaitement correct. En comparaison, les traductions, la première traduction, celle de Hugues en 1886, traduit tout simplement « la pluie tombait à torrent ». Donc, sans aucune invention, mais ça, c'est le problème de ces premières traductions du 19e ou du début du 20e siècle, c'est qu'ils écrivaient du français correct. Une traduction ne pouvait pas être incorrecte. Quand on passe à l'autre bout de l'échelle, donc la traduction de Freddy Michalski, qui est un an après la mienne, donc en 2009, qui est sortie en 2009, donc là, moi, je serais un petit peu critique, et il a traduit par « dégringoler si dru ». Le « dru » me paraît un peu étrange dans la bouche de Huckleberry Finn. Donc ces expressions, bon, il y a une autre expression comme ça, donc on les trouve, le texte en est parsemé, il y en a 5, 6, 7, 10 par page. Et donc une autre, chapitre 3, qui était un moment où il parle de dérober, de faire des razzias sur des caravanes qui sont en réalité des gens qui vont au marché. C'est un groupe, une bande de gangsters, ce sont les gamins, c'est avant que Jim et Huck s'enfuient. Et il dit à un moment, Mark Twain dit, « We never hived any of them, any of these treasures. Hived, pardon. » qui vient du mot, du substantif hive, une ruche, et dont Mark Twain a fait un verbe, to hive, donc dans le contexte, on comprend parfaitement, ça veut dire qu'on les garde par-devers soi, pour parler correctement, qu'on les fait prisonniers, qu'on les a pour soi. Et donc, il a, en français, heureusement, il y a des moments où ça fonctionne très très bien, où j'ai pu transformer le mot ruche en verbe enrucher, et dans le passage, donc, mais on les a jamais enruchés, correspond tout à fait à « we never hide any of them ».